La forêt, c'est un de nos plus grands trésors. Même si des fois, ses armes cachent bien les affaires. Des affaires qu'on aime mieux peut-être pas voir. Qu'on aime mieux savoir bien cachées. Mais la forêt, sous son épais manteau d'ombre et de glace, nous cache une fortune. Un gros lot d'or qui goûte le ciel, pas à peu près. Puis quand le soleil se lève de bout pour chasser la peur pis le fret, et enveloppe les érables avec juste assez de chaleur pour y faire fondre le sang glacé qui était dans le veine. Comme dans une fonderie de bonheur, c'est là que le magot coule à flot. On se ramasse une bonne trolley de tous les bords pis de tous les côtés pour cueillir l'or sucré. Le party pogne d'aplomb. On mange comme jamais. Comme s'il n'y en avait pas de lendemain. Des pines, des œufs, des oreilles de crispy, un peu de brandy dans le réduit. Ça fait pas de tort à la bonne femme. On va mettre la chaleur dans cette cabane-là jusqu'au milieu de la nuit pour oublier pendant un petit bout que dehors, la forêt s'est réabrillée avec les ténèbres. C'était là, en avant de moi, sorti de l'enfer juste pour menacer mes vieux jours. Le gueulard, ou ben non comme il l'appelle dans le coin de la Gaspésie, le braillard de la Madeleine. Sans rien avoir demandé à personne, il était venu à moi. Il était là rien que pour me dire qu'il me restait rien qu'un an à vivre. Ça va faire un an, béton. Ben trop, béton. Demain matin, la famille va ressoudre de tous les bords pis de tous les côtés avec la marmaille pour ramasser les chaudières. Puis bouillir notre trésor mielé. Je sais pas si le gueulard va avoir le dessus sur moi, mais cette année, j'ai l'intention de me sucrer l'âme, comme si le lendemain, il allait jamais se pointer le bout du nez. Thank you.